Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue dans ce nouveau numéro de Questions sans détour qui va s'intéresser à la formation. Et quand on parle de formation, souvent le nom du RSMA revient parce qu'il a fait ses preuves depuis de nombreuses années ici en Guadeloupe et offre différentes formations à nos jeunes entre 18 et 26 ans. Pour en parler avec nous, nous recevons le lieutenant-colonel Alban Kouvout, directeur des opérations du RSMA. Bonsoir. Bonsoir, monsieur. Merci d'avoir accepté cette invitation. D'abord parce que l'actualité nous y oblige à travers ce grand forum des métiers que vous organisez. C'est ce jeudi, donc sur le site du RSMA à La Jaille. Exactement. Donc nous organisons demain, jeudi, de 8h à 16h, un forum des métiers qui sera une opportunité exceptionnelle pour que les jeunes aillent à la rencontre des filières de formation professionnelle du RSMA. Je rappelle que le RSMA est un dispositif militaire d'insertion socio-professionnelle et donc nous formons à peu près 700 jeunes par an à différents métiers de manière à pouvoir les réinsérer dans l'emploi durable, dans l'emploi de manière générale et dans la société tout simplement. Oui, parce qu'on rappelle que c'est quand même une trentaine de formations que vous proposez tout au long de l'année. Alors oui, une trentaine de formations dans des secteurs divers et variés. Je pense notamment aux métiers du tourisme, aux métiers du bâtiment, aux métiers de l'agriculture. Voilà, une offre très générale et donc on aura demain présent sur le stand un certain nombre de recruteurs. Donc on a mobilisé notre réseau d'entrepreneurs et donc on espère que les jeunes viendront nombreux à la fois pour connaître le RSMA mais aussi également pour dialoguer, pour discuter avec les entrepreneurs, les gens du monde professionnel pour voir un petit peu quelles sont les évolutions, les perspectives, les parcours qu'ils peuvent leur proposer. Très bien, vous parliez des formations à l'instant, elles sont choisies, elles sont adaptées à des réalités économiques de nos territoires ? Alors bien sûr, on a ce souci constant d'adapter notre offre de formation au marché de l'emploi. Hein, le but, la finalité, c'est bien d'insérer nos jeunes. Et aujourd'hui, on peut se satisfaire d'avoir 80% de jeunes insérés passés entre nos mains. Donc ça, c'est le prix, bien sûr, d'un travail quotidien de nos formateurs, mais également d'une mise en adéquation de l'offre et la demande, si je puis parler ainsi. Très bien. Et il y a également, là, on peut parler de méthode RSMA. Il y a de nombreux centres de formation, d'organismes de formation, mais il y a une méthode qui est particulière peut-être à vos services. Alors tout à fait. Hein, vous noterez comme moi que c'est un dispositif original, puisque c'est confié à des militaires. Ouais. Donc je dirais que la marque de fabrique du RSMA, c'est d'agir notamment sur l'acquisition de savoir-faire, c'est-à-dire d'une formation professionnelle, mais également de développer tout un savoir-être, puisque les jeunes sont confiés à un encadrement militaire qui permet de mobiliser, d'accompagner le jeune vers l'emploi en leur apprenant des règles, je dirais, directement transposables au monde de l'entreprise, à la fois de vie en collectivité, également de respect des règles, de travail en équipe. Voilà. Nous, on joue beaucoup sur ce goût de l'effort qu'on veut leur inculquer pour que le jeune soit en mesure de mobiliser ses compétences et de s'insérer par lui-même, par sa volonté, par son travail, de manière à s'en sortir dans la vie. Beaucoup y voient, quand on parle du RSMA, la rigueur militaire avant l'accompagnement humain, mais il y a un vrai développement personnel du stagiaire. Alors c'est bien un développement personnel, et alors, on parle beaucoup au RSMA de pouvoir devenir, c'est-à-dire qu'on agit sur le jeune dans sa globalité. Bien sûr, on lui apprend un métier, mais on veut aussi lui donner un accompagnement socio-éducatif. Donc en ce sens, on va agir sur différents leviers qui vont lui permettre à la fois d'éviter certains travers, donc cette discipline militaire qui peut-être faire peur, elle est finalement utile pour que le jeune se concentre sur ce qu'il a à faire quand il passe au RSMA, c'est-à-dire travailler et réussir dans la vie. Et puis, il faut dire aussi que le RSMA ouvre ses portes à tout type de public. Ce n'est pas forcément la personne qui est en réinsertion, réinclusion dans la société qui frappe à vos portes. Ça peut être le jeune homme comme la jeune femme en recherche d'une formation et d'un emploi par la suite. Vous avez tout à fait raison. Hein, l'offre de formation, elle s'adresse bien sûr aux hommes et aux femmes. Mm-hmm. Aujourd'hui, on a à peu près 36% de femmes dans nos murs. Mais il est important de le souligner comme vous le faites, qu'il existe aussi une offre de formation qui est destinée à un public un peu plus qualifié, où des jeunes viennent au sein du régiment pour servir en tant que volontaires techniciens. Donc ce sont des jeunes moins éloignés de l'emploi, moins en situation de décrochage, mais qui, eux, viennent pour acquérir une première expérience professionnelle. Donc en ce sens, ils viennent travailler au sein du régiment
dans les services, dans notre administration, dans la restauration, dans nos ateliers, etc., pour faire tourner le régiment. Et ça leur donne une vraie expérience professionnelle pour rebondir également et aller vers l'emploi. Et justement, comment se passent vos relations avec les entreprises maintenant? On imagine qu'il y a des entreprises partenaires qui jouent le jeu depuis de nombreuses années avec vous, mais des entrepreneurs qui peuvent être intéressés justement pour aller, parce qu'ils ont des besoins de main-d'œuvre, pour solliciter des stagiaires de vos services. Comment ça va se passer? Alors, on a effectivement constitué au fil des années, par notre longue expérience, un réseau d'entrepreneurs qu'on a consolidé, qui s'agrémente de jour en jour. Et on a pu noter que ce sont des entrepreneurs qui sont réellement intéressés par la marque, par le label RSMA, c'est-à-dire par ce savoir-être qu'on inculque à nos jeunes et qui permettent d'avoir des jeunes efficaces d'emblée lorsqu'ils les embauchent. Quel est le lien du RSMA post-formation, on a envie de dire, avec le stagiaire ou l'entreprise, s'il existe? Alors, on se donne le devoir de suivre le jeune pendant 6 mois à la sortie de sa formation, de manière à pouvoir toujours continuer à l'accompagner, notamment pour des jeunes, par exemple, qui iraient sur un emploi de transition ou sur du CDD. On fera l'effort de toujours optimiser l'offre de sortie du SMA. Un jeune qui trouve un emploi intérimaire, dans les 6 mois qui suivent sa formation, on essaiera toujours de chercher la solution optimale et si possible d'aller vers de l'emploi direct. Vous parliez tout à l'heure d'environ 700 jeunes qui passent par vos formations chaque année, un taux de réussite et d'embauche aux alentours de 80%. Exactement. Comment sont les chiffres là au moment où l'on parle? Est-ce que finalement ça prend? Est-ce que les jeunes se dirigent vers vous naturellement? Alors on a vécu une période un peu compliquée liée bien sûr à la situation à la fois sanitaire et sociale. Je dirais que depuis le mois de septembre, on a une vraie embellie et les jeunes sont curieux de nous découvrir et ils viennent de plus en plus nombreux à la porte du RSMA pour voir ce qui s'y passe et si possible, on l'espère, pour la plupart d'entre eux, pour signer un contrat d'engagement chez nous. Oui, parce que c'est ça, une fois que le profil est déterminé et accepté, c'est un contrat d'engagement qu'il y a entre le RSMA et le stagiaire. Alors c'est un contrat d'une durée variée. On a des formations de 6 mois jusqu'à des formations qui durent 1 an. D'accord. Donc, et ce contrat, forcément, il y a des obligations pour le stagiaire. Comment ça se passe à l'intérieur, la vie au centre de la JAI notamment? La particularité de notre dispositif, c'est effectivement qu'il repose sur un système d'internat. On estime que pour réellement avoir une plus-value et apporter quelque chose en termes de savoir-être, comme j'ai évoqué tout à l'heure, on a besoin de créer les conditions propices, souvent de couper le jeune en semaine avec son environnement pour qu'il bénéficie d'un accompagnement, 24-24, régler ses petits soucis, etc., encadré par son chef de section. Et donc on a besoin de les loger au régiment. Donc nos jeunes sont à la fois logés, nourris, ils passent le permis de conduire et un certain nombre de qualifications qui sont des vrais atouts pour l'insertion. Oui, c'est ça, parce qu'en dehors de la formation proprement dite à un métier, il y a également l'accompagnement, on parlait de la personne, de l'être, de son insertion dans la société, dans l'entreprise. C'est l'occasion aussi d'avoir accès, vous le disiez, au permis de conduire, à d'autres formations importantes pour son développement par la suite. Exactement, et puis aussi une autre originalité, c'est la mise en place au sein du RSMA de la Guadeloupe d'un pôle, on appelle ça le pôle d'aide médico-psychosociale, qui permet justement de faire intervenir des spécialistes, de les coordonner pour donner une meilleure solution pour régler des problèmes sociaux qui pourraient advenir aux jeunes, de manière à lever certains freins à l'insertion. Oui, ça peut être aussi l'occasion pour le jeune de trouver une écoute, une oreille, là où il ne l'aurait pas dans un environnement familial restreint peut-être. Exactement, donc on a beaucoup de jeunes, pas que, on a beaucoup de jeunes, parfois donc en manque de repères, qui viennent chercher, on le constate, un grand frère, un référent, une forme d'autorité, chose qu'on peut très facilement... Vous avez des anciens justement qui participent de temps en temps à rencontrer les nouveaux arrivants? Bien sûr, oui, on essaie de faire témoigner les jeunes qui sont sortis, donc des anciens à qui le RSMA a rendu un grand service. Oui. Et donc ils ont souvent énormément de plaisir à transmettre et à témoigner de ce que le RSMA a pu leur apporter. En dehors de l'aspect formation professionnelle, est-ce que sorti du RSMA, le jeune se sent investi d'une mission également de service public? On parle par exemple d'aide, d'assistance, surtout sur nos latitudes, en période peut-être cyclonique, est-ce qu'on développe ça également?
Alors effectivement, c'était une mission traditionnelle du RSMA pour ceux qui l'ont connue du temps du service militaire. On a conservé cette possibilité d'être mise à disposition, par exemple en cas de catastrophe nationale, auprès des services de la préfecture. On l'a fait récemment pour Fiona. On le fait de manière très régulière. Et c'est une manière pour le jeune de reprendre confiance en lui, de valoriser son travail et les savoir-faire qu'il aura appris au RSMA pour, par exemple, conduire des engins de chantier qui vont faire du déblaiement ou ce genre de choses. Il y a cette... complète. On a quand même à cœur, justement, de cultiver cette approche citoyenne qui fait vraiment partie intégrante de notre projet pédagogique. Et à ce titre, on a aussi un certain nombre de chantiers d'application qui permettent de valoriser le travail de nos jeunes et de contribuer à l'embellissement de la Guadeloupe. Voilà, les formations du RSMA, c'est peut-être la solution. N'hésitez pas, le rendez-vous, c'est donc ce jeudi de 8h à 16h sur le site du RSMA, bien connu à La Jaille, à Bémao. Merci au lieutenant-colonel Alban Kouvout d'avoir accepté cette invitation. Merci pour votre invitation. Et bonne chance pour la suite. On espère que les chiffres seront à la hauteur. Merci en tout cas de nous avoir suivis ce soir. On vous donne rendez-vous tout simplement avec la suite de nos programmes. Bonne soirée.